Bonjour. Alors, pendant que nous réglons, nous, nos petits soucis en France, les histoires de gilets jaunes, de démocratie, etc., alors que des migrants se noient dans les mers et dans les océans tous les jours, alors que la planète est en train de se détruire vitesse grand V, dans l'indifférence totale, Carlos Ghosn, l'ex-patron de Nissan, patron de Renault, est enfermé dans une cellule en prison au Japon. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il paraît qu'il a une vie hyper dure, une vie de prisonnier, quoi. C'est horrible. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Les enfants, à table. Ah, excusez-moi, c'est l'heure de la bouffe.